serre qu'elle fume. Tout le monde a de la peine. On se dit que ça ne doit pas être cool d'être du tiers monde ou de vivre pendant la guerre. Ça rend humble une seconde. La jardinière de légumes, on en a tous déjà pris. Personne ne s'y accoutume. Tant pis. C'est un peu comme voyager vers le pays du chômage, et ce juste avec le goût. Mais ça fait cher le voyage. Pourtant les carottes c'est bon, les petits pois passent quand t'arrumes. Mais la jardinière là non, c'est du cadavre de légumes. Les légumes en jardinière, on en a tous déjà pris. De force il faut bien l'admettre. Aussi, je ne comprends pas pourquoi les gens prennent sur leur temps pour en cuisiner. Quelquefois ils sont certainement méchants. Et puis c'est tellement plus simple. Ça va plus vite de faire de vrais légumes comme des frites, des pâtes ou des frites. En plus, comme personne n'en prend, elle revient à tous les repas et ça peut durer longtemps. On se fout toujours comme ça. Certains tombent en dépression, d'autres vont vomir en fraude. Car ce n'est ni plus profond que de la masse macédoine chaude. La jardinière de légumes, c'est un peu comme les oignons. Ça fait pleurer sans aucune raison. Les légumes en jardinière ne m'en sert plus, c'est un crime. C'est ton choix à toi de faire ce régime, et c'est vraiment dégueulasse. Bon.